Our next speaker, who is unable to actually be present and as a result will be addressing us via video, is not uncommon to the Montreal community. Dr. Tariq Ramadan occupies a very unique place among leading Islamic thinkers and represents a new generation of Islamic reformers. He advocates the exploration and application of Islamic traditions and values within a modern pluralistic context, and he calls on Western Muslims to embrace Western culture rather than rejecting it. He is a well-respected professor of philosophy at the College of Geneva and a professor of Islamic studies at the University of Fribourg. Dr. Ramadan has written more than 20 books exploring the difficult issues of reinterpretation and reform within Islam itself and between the Islamic world and its neighbors around the globe. He serves as an expert in various commissions linked to the Brussels Parliament, and he is a member of several working parties concerned with Islam in the world and on the continent. So inshallah, I'd like you all to direct your attention to the screens, and if we have no technical difficulties, the video should start immediately. Jazakumullah khair. أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On m'a posé la question d'aborder un thème central dans la tradition musulmane qui est celui de la famille. Et de la famille parce que, effectivement, quand on revient à tout ce qui nous est dit dans le Coran, dans tout ce qui nous est dit dans la tradition du prophète, effectivement, toute cette dimension de la centralité d'abord du tawhid, de la ilaha illallah, qui est la relation à Allah subhanahu wa ta'ala, mais sur le chemin qui nous mène à Allah subhanahu wa ta'ala, ce tawhid et la bonne compréhension du tawhid, il y a le processus de la libération de l'ego, de savoir être avec Allah subhanahu wa ta'ala de tout son cœur, mais aussi la reconnaissance de l'importance des parents, de l'importance de la maman, on le sait, de l'importance du père, et de l'importance de savoir les remercier, comme par exemple dans Surat Luqman, toute la dimension de Luqman qui parle à son fils et à qui dit à son fils de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ashkurillah, c'est-à-dire remercier, et puis de remercier ses parents immédiatement après. Et on connaît cette partie du verset qui dit wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, c'est-à-dire la dimension de cette excellence, de ce bien agir, de ce bon comportement vis-à-vis des parents. Et le prophète alayhi salam qui par trois fois a répété qu'il fallait être bon avec sa maman et puis avec son père, comme si silat al-rahim était une dimension essentielle dans la relation avec les parents, dans la relation avec les enfants. Donc la famille est un thème central en islam. Maintenant, il ne faut pas aborder cette question uniquement par les principes qui édifient, mais par les réalités qui bouleversent et qui questionnent notre fidélité, notre cohérence aux principes de l'islam, aux principes de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme direction, à savoir de développer des rapports de famille respectueux, respectueux vis-à-vis de l'enfant, parce que l'enfant, il pourra se retourner vers son père, et puis depuis d'avoir des droits en tant qu'enfant, et de lui dire mais quelle maman tu m'as donné, ou à la maman quel père tu m'as donné, et de la même façon également quel type d'éducation tu m'as transmise. Donc fondamentalement pour nous, la dimension de la famille, c'est un discours islamique, c'est une reconnaissance, c'est la volonté de revenir aux enseignements du prophète, mais c'est aussi nécessairement de tenir compte de l'environnement. Et quelles que soient les traditions, qu'on soit de la tradition salafi, qu'on soit de la tradition tajdidiyya, c'est-à-dire de la dimension réformiste, qu'on soit de la tradition soufi, de la mystique, qu'on soit de la tradition rationaliste, ou même qu'on soit pas pratiquant complètement, toutes les traditions, qu'on soit chiite ou sunnite d'ailleurs, dans toutes ces traditions-là, il y a quelque chose de central, c'est nous connaissons les principes, mais nous savons aussi les difficultés qui se passent dans les familles. Alors, les difficultés sont des choses qui sont importantes. Le prophète, quand il est revenu de la première révélation et qu'il disait « Zemmelouni, Zemmelouni », c'est-à-dire « protégez-moi », la première personne vers qui il se retourne, c'est Khadija, et elle va le couvrir.
Et ça fait référence d'ailleurs à cette protection, elle protège l'homme, c'est-à-dire vous êtes des protections. Cette dimension de la protection, elle se fait dans quel sens? Pourquoi quand le prophète, et ça fait référence, c'est-à-dire toutes ces dimensions de la protection, eh bien c'est dans quelle situation? Une dimension où le prophète a un doute, et puis l'autre, l'être, il va protéger, comme le prophète va le faire avec Aïcha radiallahu anha, ils protègent mutuellement. Mais cette protection, elle vient de quoi? Elle vient du dialogue, elle vient de la communication. Et si nous sommes sérieux et si nous voulons suivre le prophète, qu'on comprend la dimension de Uswatun Hasana, c'est-à-dire du meilleur des exemples, ce n'est pas simplement dans les principes, mais c'est dans la capacité du prophète de dialoguer avec son épouse, de dialoguer et d'entendre ce qui est dit. Et si nous avons plus d'un millier de hadiths qui sont rapportés par Aïcha radiallahu anha, c'est uniquement parce qu'effectivement, effectivement, elle a écouté, elle a entendu, et puis il y avait cet échange-là. Donc un des éléments qui est très important pour la famille, de quelque condition que l'on soit, de quelque tradition qu'on le soit, c'est effectivement de dire, il y a les principes, et puis pour maintenir les principes forts, il y a un comportement, et ce comportement, c'est le dialogue entre une femme et un homme, le dialogue avec les enfants, c'est-à-dire réussir à se donner des conditions du dialogue. Alors c'est des choses simples de la vie quotidienne, le prophète, il mangeait, il écoutait, il priait, donc prier ensemble, manger ensemble, éteindre la télévision, se donner un cadre de vie où on se regarde, où on se parle, où on s'intéresse à l'autre, où l'on fait attention, où on l'écoute. Parce que c'est ça qui est aussi extrêmement important, même quand on a Inna sama'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans toutes ces dimensions-là, nous allons être questionnés sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, ce que l'on sent, c'est aussi par rapport à nos conjoints, par rapport à une épouse, par rapport à un mari ou par rapport à des enfants. Donc la dimension du dialogue, elle est importante. La dimension de la psychologie et des besoins, c'est-à-dire de pouvoir exprimer et de ne pas traduire la famille en termes de droit halal, haram, haq, wajib. C'est pas uniquement ceci, c'est aussi une dimension de la psychologie, de besoin. Parce que depuis le départ, dans son temps-là, il est Rahman, parce qu'il vient à nous pour répondre à nos besoins. Nous cherchons la vérité et il vient avec la vérité parce qu'il est El Haq ou El Rahman, c'est-à-dire à la fois la vérité et à la fois la miséricorde. La miséricorde est la compassion vis-à-vis de nous. Eh bien, c'est exactement la même chose entre nous. Si nous sommes Rahman, si nous avons cette dimension-là, c'est qu'entre un homme et une femme, il faut qu'il y ait une vraie dimension de reconnaître les besoins, des besoins psychologiques, des besoins d'amour, des besoins d'affection, des besoins de tendresse. La même chose avec les enfants, c'est-à-dire une reconnaissance, savoir que quand des parents regardent les enfants, ils leur donnent une valeur. Et puis, de s'intéresser à ce qu'ils font, donc ce dialogue plus général. Et puis, regarder la société environnante. Nous sommes dans une société où être musulman, ça n'est pas facile, où ça pose véritablement des problèmes de personnalité, où il faut vraiment comprendre qu'il faut être fort pour être musulman à l'extérieur. Donc c'est à l'intérieur, dans nos familles, qu'on doit montrer nos faiblesses, partager ses faiblesses pour rester fort à l'intérieur. Et il y a une grande question de confiance. Donc la société environnante, c'est aussi une société qui nous pose des questions du divorce, qui nous pose des questions de talaq, qui nous pose des questions de l'attirance par rapport à mille choses de la culture. Et nous, en tant que musulmans, nous ne devons pas être sur la défensive, nous ne devons pas avoir peur de dire que la famille, ça reste important, que dans une société de consommation où il y a beaucoup d'individualisme, nous sommes des individus devant Dieu, mais des familles dans les sociétés, et que nous voulons protéger ceci, que être un conservateur qui protège la famille, ça ne nous dérange pas d'être considéré comme des conservateurs, parce que si être progressiste, c'est devenir individualiste, alors ça ne va pas. Alors en tant que musulman, Alhamdoulilah, nous devons être cet exemple-là, nous occuper des personnes âgées. S'il y a un message que nous avons à donner, c'est yani el shuyur, c'est-à-dire la dimension de shir. Dans la dimension, c'est pas simplement la référence religieuse, c'est celui qui porte une mémoire, c'est celui qui porte une tradition, cette attitude vis-à-vis des personnes âgées. Nous devons être partout dans la société en tant que musulmans et montrer que nous contribuons, que pour nous, la valeur d'un homme, d'un être humain, c'est pas l'argent qu'il fait, c'est l'être qu'il est.
Et donc il faut, de ce point de vue-là, nous engager à cette dimension-là de façon extrêmement importante par rapport à tout ce qui concerne la prise en charge des familles, là, comment on va vers le mariage, la préparation au mariage, la dimension de du respect de son corps, la dimension protéger les institutions familiales, l'école également, comme un espace où on va s'occuper en tant que parents de l'avenir de nos enfants. Une famille, c'est ça aussi. Une famille, c'est pas un système clos, c'est un papa qui va à l'école pour savoir les notes de son fils ou de sa fille, avec une maman qui se préoccupe. La famille, c'est tout ceci. Et puis, c'est de s'occuper de toute l'organisation aussi, de l'alternatif, du culturel. Ça aussi, ce sont des choses qui sont importantes en tant que musulmane et musulman. Donc, Inch'Allah, en tant que nous avons des références et nous avons des principes, nous avons aussi des finalités. Et puis c'est ça, et Sharia qui reste la voie de la fidélité, c'est le maqas, et le maqas de Sharia, c'est qu'est-ce que l'on cherche, et quels sont les maqas, c'est-à-dire quelles sont ces dimensions, qu'est-ce qu'on doit réussir à faire. Et bien d'abord, fondamentalement, pour chacun, un bien-être, faire très très attention au bien-être, savoir qu'on est deux mais qu'on est seul devant Dieu, mais qu'on va à deux pour mieux être seul devant Dieu, pour mieux répondre à nos besoins, et qu'on a des besoins physiques. Donc il y a toute la dimension de la tendresse, de la sexualité, du dialogue, de la communication, tout ce que j'ai pu dire, et c'est ceci finalement qui va nous permettre d'aller en paix, plus en paix. Yani, salam, c'est salam. Il est salam, c'est-à-dire cette dimension d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui est cette dimension de la paix, ben, il faut essayer de pouvoir la mener dans la famille. Donc notre contribution en Occident est une question fondamentale. Et nous tous les musulmans qui m'écoutent ici, de quelque école que l'on soit, de quelque tradition que l'on soit, nous ne pouvons pas, au nom de nos divergences dans l'interprétation, oublier la communauté de nos défis. Et celui de la famille est un défi contemporain, critique, fondamental, difficile. Donc je suis heureux de participer. L'imam Zaid Shaker qui m'a invité à m'exprimer en français, et depuis cette dimension-là, m'a demandé aussi, m'a expliqué la philosophie de l'ensemble de votre projet, d'avoir des personnes qui viennent de toutes les traditions. Je crois que c'est vraiment la bonne formule. Reconnaître nos différences d'interprétation, mais aussi la communauté de nos défis. Et la communauté de nos défis, l'un de ceux-ci pour aujourd'hui et l'avenir, Inch'Allah, c'est la famille musulmane. Et ce que la famille musulmane, avec ses enseignements, peut contribuer et apporter aux sociétés occidentales, au Canada comme aux États-Unis, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.